What's up tout le monde, c'est Super Solution, j'espère que vous allez très très bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour faire part d'un tout nouveau glitch pour rentrer chez Michael. Donc le glitch est déjà assez connu mais je le fais, donc pour tous les rageux qui disent oh ce glitch il est connu, hein, bah oui je le sais, vous inquiétez pas, pas la peine de me prévenir. Donc je suis en compagnie de Greg, bien sûr on va pas l'entendre car dans la vidéo officielle, je mangeais un chewing-gum, donc j'articulais pas hyper bien. Donc c'est pour ça que je refais la vidéo, mais en commentaire. Donc pour ce faire, il vous faudra avoir une activité de Martin. Donc bien sûr, mettez une tenue qui n'a pas les bras invisibles. Si vous voyez que déjà votre bras transperce la porte, ça veut dire que le glitch va fonctionner. Donc... je sais pas pourquoi, quand je l'avais fait avec mon pote, je sais plus c'était qui, c'était... je sais plus. On le faisait plusieurs fois car on faisait un sorte de court-métrage et j'habitais dans cette maison et puis le glitch à des moments il fonctionnait plus. Bref, dès que vous allez appuyer plusieurs fois sur vous, vous allez voir que l'alerte va pas s'afficher directement. Donc si ça s'affiche pas directement, ça veut dire que le glitch a fonctionné. Donc vous allez voir que dès que vous allez spawn, vous allez wallbrush la maison de Michael. Donc ça sera déjà la fin de cette vidéo car vous connaissez déjà le glitch. Je vais vous laisser la suite de la vidéo en accéléré et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je vais bye tout le monde, bye.